Monsieur Lajoigny, je ne vous ai jamais appelé Lucien. Aujourd'hui, je vais peut-être me hasarder à le faire. Je vous autorise à m'appeler Joseph. Très bien. Et nous allons échanger nos souvenirs, les uns après les autres, les miens et les vôtres. Je ne veux pas faire un monologue, mais c'est un dialogue dont il s'agit. Je vais commencer par un petit tableau général de la situation de notre village, avec une papeterie au milieu, qui était celle des années 60-70. Je commence par là parce que nous étions une usine dans un village. Je dois vous dire que c'était tout à fait différent de ce que vous connaissez actuellement. J'habite toujours ce village. Ça fait des années que je ne sais pas ce qui se passe à l'usine. Et croyez bien que ça change beaucoup de choses. Et la population du Lardin, elle vous regarde vivre ou souffrir, mais elle ne sait rien de ce qui se passe chez vous. Monsieur Lajoigny, vous avez peut-être des questions comme moi à poser, mais vous êtes plus ancien que moi dans l'usine, dans la société. Vous allez commencer par ce que vous venez de dire qui nous intéresse tous. Si je peux encore vous donner, non pas des ordres, mais des gestes, mais des directives. Oui, alors effectivement, les Progiles étaient l'usine qui existe encore, mais l'entrée de l'usine était près de la gare. Et cette usine était gérée par la société Gilet, c'est-à-dire les produits Gilet. Et la famille Gilet était une famille de chimistes, et ils étaient spécialisés dans la chimie. Et les papeteries, ça ne s'appelait pas les papeteries de Condat à l'époque, ça s'appelait toujours Progiles. Et à l'époque où je suis rentré à Progiles, nous appartenions nous avions une convention des produits chimiques. Ce qui fait qu'à partir de cette convention des produits chimiques, on avait des avantages que tout le monde nous enviait dans la région, c'est-à-dire des salaires supérieurs à tous ceux pratiqués dans la Dordogne, dans le Périgord et même dans l'Aquitaine, pratiquement. Et nous avions des avantages qui ont été négociés à Paris au comité central d'entreprise de Progiles avec les syndicats où il y avait des avantages sociaux qui ont été quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Je vais vous en citer quelques-uns. Attendez que je les retrouve, par exemple. Pendant ce temps, je vais préciser que Lucien était le secrétaire du comité central d'entreprise Progiles, c'est-à-dire de tout le groupe. Je ferme la parenthèse. Oui, c'est-à-dire le groupe de Progiles, à l'époque, avait 8 usines. Ces huit usines représentaient environ plusieurs milliers d'ouvriers. Et évidemment, j'étais plus jeune et plus doué qu'aujourd'hui. J'étais le porte-parole de tout ce personnel. Et on négociait directement, je négociais directement avec notre président directeur général, qui s'appelait Monsieur Brulfer, qui était un homme extraordinaire. Des patrons comme celui-ci, on n'en retrouvera jamais, certainement. Parce que c'était un monsieur qui nous écoutait, qui nous respectait, qui était ouvert au dialogue, et on pouvait parler de tout. Et on arrivait même, à certains moments, suivant nos revendications, il nous proposait même des avantages qu'on n'avait pas à imaginer. C'était quelqu'un d'extraordinaire, qui était respecté, parce qu'à l'époque, malgré que ce soit un patron qui était avec qui
on pouvait vraiment discuter, on le respectait nous aussi, hein. il n'y avait pas de raison. Et on était, même dans, j'ajouterais que quand on était dans les ateliers, quels qu'ils soient, on respectait la hiérarchie, parce que c'était quelque chose qu'on avait appris et dont on se servait continuellement. Alors, pardon, monsieur Lajoigny, oui. Monsieur Brulefer, comme vous venez de l'entendre, avait certains dons. Il faut préciser qu'il était propriétaire personnel d'une petite société qui s'appelait, peu importe, de l'industrie chimique qui se trouvait à Clamecy. Ça a l'air de rien, mais il savait ce qu'était une société. Et patron d'un groupe auquel il avait fait apporter sa société, il connaissait mieux que n'importe qui d'autre ce qu'était à ce moment-là une industrie, un patronat et une représentation syndicale. J'arrête. Oui, alors j'en reviens, moi, aux avantages qui avaient été acquis à cette époque avec les syndicats et la direction de Progil. Alors, il y avait déjà en 1946 la médaille du travail, la construction d'une salle de cinéma, où nous sommes aujourd'hui. Construction d'une salle de cinéma, création d'une école ménagère, les lotissements de pavillons au Maletti pour loger le personnel, une école de musique, une mutuelle sous contrôle des salariés, la création d'un club de sport qui s'appelait l'UAP, l'Union Athlétique Progil, avec rugby, foot, basket, pétanque lyonnaise. Et piscine. Et, non, la piscine a été créée plus tard. C'était M. De Fontaine qui était le directeur. Et aujourd'hui, ça s'appelle la piscine Lagneau, M. Lagneau. Lagneau qui était directeur général aussi, mais qui est décédé prématurément. C'était ça. Ah ben, je vous ai dit, vous êtes plus ancien que moi. Alors, la mutuelle, la création d'un club de sport, oui. Une prime de production, prime de nuit du dimanche et jour férié. Pendant qu'il choisit ses papiers, je vais compléter un peu. Il vient de parler, M. Lajoigny, de l'école ménagère. Elle se trouvait juste là derrière, ici, à côté, oui. Là où sont les pompiers actuellement. Et il y avait une directrice ou deux directrices, l'une étant l'assistante sociale de l'usine et l'autre une madame qui était enseignante, si j'ai bien compris. Oui, oui. Mais surtout, cette école qui s'appelait ménagère, comment dirais-je, recueillait les jeunes filles, les adolescentes, plutôt déjà des petites jeunes filles, enfants du personnel, qui vraisemblablement avaient eu quelques échecs avec l'enseignement général. Et c'était une petite fabrique de jeunes femmes. Je vais vous donner un exemple. Des jeunes filles qui étaient, que la société mettait à la disposition du personnel d'encadrement, il faut bien le dire, qui était recruté à l'extérieur. Et lorsque vous étiez recruté dans ce village périgourdin, on vous assurait que vous auriez une femme de ménage, ceci et cela. Et vous n'auriez même pas besoin de vous occuper du salaire de la personne. C'est le service du personnel qui s'occupait de tout. Et vous n'aviez qu'à, je vous fais là une description du paternalisme éclairé. Vous en penserez ce que vous voudrez, mais bon, nous en pensons ce que nous voulons, nous. Et ma femme, arrivant ici, a embauché une jeune fille qui avait 16 ans et qui nous a quittés 40 ans plus tard
pour prendre sa retraite. Elle s'appelait Françoise, s'appelle toujours Françoise, et elle a fait quelques bêtises en commençant. Elle avait laissé s'échapper les perruches de ma belle-mère, mais ce n'était pas très grave. Je ne sais pas combien de jeunes femmes du Lardin ou de Condat ont pu bénéficier de ce coup de main au début de leur vie professionnelle. Je ferme la parenthèse. Alors, je continue. Continuez. Voilà. Alors, il y avait aussi prime de fin d'année, prime d'ancienneté, prime de transport. Voilà. Alors, c'était toutes les primes qui ont été acquises à l'époque, évidemment avec, après des discussions avec la direction générale de Paris, et ces primes, à l'époque, étaient quelque chose d'extraordinaire. Et ces primes existaient encore quand on était en activité. Je ne sais pas si elles existent encore. Mais enfin, je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'elles existent encore ? Oui, pour la plus tard, oui, elles existent encore. Elles existent toutes encore ? Oui, toutes, oui. OK. Voilà. Alors, vous voyez, alors, je voudrais dire, parce que beaucoup bénéficiaient de ces primes et croyaient que ces primes tombaient du ciel. Mais ce n'est pas vrai, hein, c'était qu'elles étaient quand même négociées entre les syndicats et la direction de Progil. Pas toutes, voilà. Pas toutes. Non, certaines ont été après à Condat. Je vais vous en citer une, oui. Qui, paraît-il, n'a pas survécu, mais qui va peut-être vous intéresser. Surtout par les temps qui courent, avec les discussions budgétaires qui se passent actuellement à Paris. Ce n'est pas la direction générale de Progil qui en est responsable, mais j'avais constaté que les médecins du CRU avaient de grandes largesses pour attribuer les arrêts maladie. Je voulais en parler de ça. Et alors j'avais inventé une aberration, une horreur. C'était les cartes blanches. Il paraît qu'elles ont disparu. Le raisonnement était le suivant. Si on a un bobo, un rhume, si on va chez le médecin, il va nous en mettre pour 8 jours d'arrêt. Plutôt, il va vous en mettre pour 8 jours d'arrêt. Et messieurs les salariés, je vous propose qu'au lieu d'aller chez le médecin, vous veniez chercher ou qu'on vous fasse porter de l'usine une carte blanche, ça s'appelait comme ça, qui vous permettra de rester chez vous, de guérir et de revenir le plus tôt possible. Je ne sais pas si ça a plu aux médecins, il y en a quelques-uns ici, je viens de leur faire un procès, mais il paraît que je ne suis pas le seul. J'ai encore entendu à la radio hier que le Premier ministre va peut-être chercher là de quoi renflouer le trésor national. Bon, il paraît que les cartes blanches ont disparu. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, j'arrête alors. À vous, monsieur Lajoigny. Oui, alors j'ai voulu vous parler de tout ça pour une bonne raison. Pour vous expliquer, si je vous ai expliqué tout ça, c'est pour que vous compreniez pourquoi à Condat, le personnel était, était fidélisé à son entreprise. Parce que à l'époque, et encore aujourd'hui, si ça existe vraiment, c'était des avantages que personne n'avait dans la région, ni même peut-être en Aquitaine. C'était quelque chose d'extraordinaire. En plus, étant donné qu'on bénéficiait de la convention des produits chimiques, les salaires étaient plus élevés que tous ceux de la région. Parce que le papier carton, à l'époque, les salaires étaient bien inférieurs. J'allais vous dire. Cette convention collective de l'industrie chimique avait des avantages supérieurs à la convention des papiers cartons, voilà, qui régissait notre profession de papetier. Je vous cite une anecdote.
lorsque nous sommes devenus filiale de la cellulose du pain, j'ai reçu une lettre pas gracieuse de mon nouveau président directeur général, qui avait découvert, il n'était pas très content, l'existence à Condat d'une quatrième équipe. Je vous explique. Pendant très longtemps, surtout pendant toutes les années où ça n'allait pas vraiment très fort du point de vue de la production, la tradition était un arrêt annuel pour l'entretien de l'usine. Et l'arrêt était en gros d'un mois en été. Pour nous, je vous parlerai du démarrage de la machine 4, un mois perdu, c'était un mois de trop, ou un mois en plus de nos emmerdements. Et j'avais certainement discuté avec les syndicats et embauché et mis en œuvre une quatrième équipe pour pouvoir tourner à quatre équipes et non plus à trois. Il s'agit là du régime en 3-8, ce qui permettait de ne jamais arrêter l'usine, sauf accident d'entretien, et d'avoir 12 mois de production au lieu de 11. Ça n'avait pas plu à M. Arnaud, qui était le président directeur général de notre nouveau propriétaire, la cellulose du pain. Il m'a fait, je me souviens, une lettre un peu pas gentille du tout, mais il s'est dépêché de faire la même chose à la cellulose du pain. Bon, j'arrête. Continuez, monsieur Lajoigny. Ben, finalement, je ne sais plus où j'en étais. Alors, je vais continuer, non. Vous m'arrêterez quand vous voudrez. Nous allons vous parler de mai 68. Vous vouliez en parler ? Oui, je vais en parler, mais vous en parlerez allez, aussi. Parlez d'abord. Non, mais vous pouvez y aller, allez-y. Alors, je vais vous raconter mai 68. Vous savez que c'est un mois qui a compté dans la nation française. De nos jours, on appelle ça la bordélisation. C'est nouveau, mais allez, ça existait déjà en mai 68. Alors, nous avons eu... Attendez, il faut que je vous fasse... dessine le décor général des années précédant mai 68. Je vais vous raconter le démarrage de la machine 4. Pour son malheur, cette machine a démarré le 14 avril 1963. Vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais le 14 avril 1963, c'était le jour de Pâques. Et la société a eu à se repentir d'avoir démarré la machine 4 un jour de Pâques, parce que ça lui a coûté 3 ans de difficultés de démarrage. Je passerai sur un détail, c'est que, quoique c'est connu dans la profession, on ne connaît pas dans la papeterie une machine à papier qui est démarrée dans une entreprise sans que le directeur ne soit éliminé, paraît-il. C'est ce qui s'est produit à Condat. Nous avions un directeur qui était un homme très, très gentil, très compétent. C'était un officier de marine. Il avait fait des études scientifiques. Et puis, un an après le démarrage du 14 avril, décidément, cette nouvelle machine ne produisait pas ce qu'il fallait. Et la direction générale a décidé de remplacer le directeur. Et par qui ? Par un incompétent complet qui se trouve être moi-même. Je vous raconte ça parce que, comment dirais-je ? On aura l'occasion d'en reparler. Monsieur Lajoigny a commencé par nous dire comment il est entré à l'usine. Je vais vous dire comment je suis entré à l'usine. Je sortais de prison en 62, pas en 61, enfin, bref. J'avais un antécédent pas flatteur du tout.
Et je suis arrivé, j'ai été embauché le 2 février 1962. Je m'étais marié l'avant-veille et j'ai commencé une carrière civile aux papeteries de Condat. Je ne connaissais rien dans aucun domaine. Je vais vous citer un exemple. Le comité d'entreprise, le secrétaire, on sait qui c'était, c'était M. Lajoigny, mais je pense à la CGT, dont le patron était Albert Pomarède. Le frère de Micalou. Pomarède. Je vais vous raconter une anecdote qui vous situera l'ambiance. Je venais d'un milieu où nous avions des expressions qui nous étaient propres. Et il y en avait une que je vous cite tout de suite, c'était l'œil de Moscou. On appelait l'œil de Moscou, n'importe qui voulait se mêler de ce qui ne le regardait pas. Et à la première séance ou deuxième séance du comité d'entreprise où j'ai été convié en tant que nouveau chef du personnel, le patron étant M. René Robert de Ranchet, je ne sais pas quelle bêtise j'ai dite et j'ai prononcé le mot de œil de Moscou. Albert s'est mis, Pomarède s'est mis dans une fureur terrible et j'ai compris que j'avais utilisé quelque chose qu'il ne fallait pas, car vraisemblablement M. Pomarède était du Parti communiste et à l'époque c'était la courroie de transmission, je ne sais plus comment on l'appelait, le Parti communiste passait pour être l'œil de Moscou, etc. Lorsque moi j'avais prononcé l'œil de Moscou, c'était dans une tout à fait autre chose que j'avais en tête, au demeurant je ne sais plus ce que j'avais en tête, mais je peux vous dire que ça m'a servi de leçon. Et que par la suite, j'ai fait attention autant que possible à ce que je racontais. Je ferme cette parenthèse. À vous, monsieur Lajoigny. Oui, alors moi, je reviens à mon petit discours, là. Oui, alors, comme je vous ai raconté tout à l'heure, je vous ai indiqué tous les avantages qu'il y avait, qui étaient vraiment extraordinaires. D'autre part, les salaires qui étaient meilleurs que partout ailleurs. Eh bien, mais les syndicats et le syndicat que je représentais étaient satisfaits de tout ça. Et on n'était pas des gens virulents. Et on ne considérait pas le patron comme un adversaire, mais presque comme un partenaire. C'était quelque chose d'extraordinaire, mais c'était comme ça. Et finalement, ça a fait en sorte que le syndicat, la CGT à l'époque que je représentais, était un syndicat très pacifique. C'est-à-dire que dans la mesure où on obtenait à peu près ce qu'on voulait, et de toute façon si on ne l'obtenait pas, on ne se décourageait pas, on revenait à la charge à la prochaine réunion en mettant la barre encore plus haute, parce qu'on savait très bien qu'on n'aurait pas satisfaction de ce qu'on demandait, mais comme on demandait plus que ce qu'on devait obtenir, on obtenait toujours à peu près ce qu'on voulait, et le personnel était content, et nous aussi, évidemment, parce que notre rôle, c'était de faire en sorte de donner satisfaction au personnel qui nous faisait confiance, parce qu'à l'époque où je m'occupais du syndicat, on avait quand même 90% des ouvriers qui votaient en notre faveur. Je parle sous le contrôle de M. Estoup, qui était au dépouillement des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel. Alors, quand on frappait à la porte du patron, il savait que, quand même que si on était là, on représentait quand même l'ensemble du personnel et nous étions écoutés. Et on était écoutés, mais notre patron, qui était à Paris, et un autre qui était à Condat, nous, parce que M. Estoup avait quand même des pouvoirs. C'était peut-être pas comme aujourd'hui. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, eh bien, j'allais le voir, sa porte était toujours ouverte, et
On arrivait toujours à... On n'était pas toujours d'accord. Hein. Il y avait bien des moments où ça n'allait pas très bien. Mais enfin, on trouvait toujours un moyen de s'entendre et on n'a jamais eu de problème. Jamais, jamais. Et finalement, moi, en conclusion, je pensais que les syndicats étaient le reflet, à notre époque, tout au moins, étaient le reflet de notre patron. Si on avait un bon patron, ben, il y avait un syndicat qui coopérait. Oh là là. Voilà. Et si le patron n'était pas un bon patron, là, eh bien, ça allait mal. Trop, c'est trop, lui. C'était comme ça. Je vais... Vous ne pouvez pas dire le contraire. Non, non, j'aurais tort de dire le contraire, mais je vais revenir à des choses plus réalistes. J'avais commencé à vous raconter le démarrage de la machine 4. Je m'étais arrêté au jour de Pâques. J'aurais dû préciser tout de suite. Oui, j'ai parlé du changement de directeur. Vous avez deviné que j'ai remplacé M. Omery, qui était un homme charmant, qui avait les mêmes relations avec vous que moi par la suite. Je l'ai retrouvé à Lyon après. Là, le moment est venu quand même de citer un nom, un patronyme. Il s'agit de Gérard Bizot. Car sans lui, rien de ce que nous racontons aujourd'hui n'aurait lieu. Je résume en disant que c'est à cause de lui que le 6 octobre 60, cette usine qui est passée sous l'eau, il y avait 6 mètres de crue à la Vézère, à cause de lui que l'usine, que la direction n'a pas pris la décision qui était la plus sage à l'avis de tout le monde. C'était un moment inattendu et béni de cesser l'activité d'une usine qui était trop vieille, trop petite et qui n'était plus concurrentielle dans le marché du papier national. Monsieur Gérard Bizot a refusé. Ça s'est pas passé ici, ça s'est passé à Lyon, dans les réunions de la direction générale du groupe. Je fais une parenthèse. Monsieur Gérard Bizot n'était qu'un jeune héritier de la famille Gillet et il était le chouchou de sa grand-mère. Sa grand-mère, une madame Gillet, était le principal porteur de part du groupe Ronpoulenc. Moyennant quoi, Gérard le savait, et il savait que sa grand-mère ne lui refuserait pas les picaillons pour faire redémarrer l'usine de Condat. Moyennant quoi, contre toute, décision réaliste, il a imposé le redémarrage de l'usine. La crue a eu lieu le 5 octobre ou le 6 octobre 60. 5 et 6. Le 5 et 6, oui, bien le temps que ça redescende. 5 et 6. Et je sais, je n'étais pas là, mais j'en ai tellement entendu parler, vous verrez pourquoi. Je sais que M. Gérard Bizot a fait venir sur le site de Condat, premièrement, tous les services entretien des autres usines du groupe Progil pour venir démonter tout ce qui avait baigné dans l'eau. Je pense à 800 moteurs électriques qui ont été démontés, séchés, ou je ne sais pas comment on dit, etc., et remontés. Je m'arrête à cet exemple-là. Il faut savoir que la machine à papier était dans l'eau. Pour ceux qui connaissent, les cylindres sécheurs, les presses, etc., tout était dans l'eau. La table de fabrication, je n'en parle pas. Et en 3 semaines, les travaux de propreté, je pense à ça, hier j'entendais que en Île-de-France, des villages qui ont été inondés, on nettoie la boue, etc. J'ai repensé aux papeteries de Condat, alors que je n'étais pas là en 60. Mais en 3 semaines, tout a été nettoyé et l'usine a redémarré. Mais le conseil d'administration, sous
à la demande de Gérard Bizeau, a accédé au redémarrage de l'usine à condition que l'usine, la capacité de production de l'usine soit multipliée par 4. Autrement dit, il n'était pas question de redémarrer l'usine pour la laisser dans l'état où elle était. Il faudrait la compléter ou l'agrandir ou multiplier sa production par 4. De là, l'achat, l'étude rapide, si j'ai bien compris, d'une nouvelle machine à papier. La machine 3 fabriquait 30 000 tonnes de papier par an. C'était la vieille machine de Conda. Et Gérard Bizeau, accompagné de deux ingénieurs qui s'appelaient Maurice Pagnou et Blanche, je ne sais plus son prénom, sont partis aux États-Unis chez un constructeur mondial qui s'appelle Beloit, et ils ont commandé, enfin Gérard Bizeau a commandé une machine à papier dans les conditions suivantes. Il a exigé du constructeur que la machine puisse produire 200 000 tonnes de papier par an. La machine 3 en fabriquait 30 000, pardon. On passait donc de 30 000 à 230 000 capacités de production. Il a sorti une enveloppe et, de sa poche, où il en a demandé une à une secrétaire, et il a écrit « bon pour commande de machine Beloit, 4,60 m de l'aise, c'est-à-dire de largeur de feuille, capacité annuelle 200 000 tonnes, bon pour commande, et sous-entendu, les ingénieurs se démerderont pour calculer la chose, pour étudier l'engin que je viens de poser. Ce bon de commande, il existe dans les archives de la société Beloit, à Beloit, dans le Wisconsin. C'est une pièce rare dans l'industrie du papier. Je la raconte toujours, cette anecdote, c'est pour vous situer le personnage. Il avait passé 3 ans ou 4 ici pour faire son apprentissage de futur capitaliste. Suite à une année, on ne savait pas qui c'était. Il était au blanchiment, on croyait que c'était un ouvrier comme un autre. Et C'était le petit-fils de Madame Gillet, ou le fils d'Edmond Bizeau, qui était le PDG à l'époque. Oui. Monsieur Maurice Brufer étant le directeur général. C'est ça. Oui. Voilà. Oui. Et alors, il avait passé 3 ans ici, en faisant plutôt beaucoup de farces et attrapes, en particulier envers le brigadier de gendarmerie Vigeolas. Non, j'arrête, parce que nous sommes à une réunion sérieuse. Quoique, je vais vous la raconter. À l'époque, il y avait des écrevisses dans la région. Il n'y en a plus. Mais à l'époque, le CERN, que nous avons canalisé en 63, était un ruisseau réputé pour ses écrevisses, un peu moins que le colis, mais enfin, il y avait des écrevisses. Et vous savez que la pêche à l'écrevisse n'est ouverte que 2 jours par an, sinon un jour seul, je ne me rappelle plus. Bref, le jour de l'ouverture, Gérard Bizeau a tendu un piège au brigadier Vigeolas. Il a acheté 2 homards et il est parti avec ses balances, il s'est installé au bord du CERN, du côté de la bachellerie, et il a attendu, et ça n'a pas raté. Vigeolas est arrivé pour faire dresser contravention. Et Gérard Bizeau lui a dit « Mais j'ai bien le droit de baigner mes homards. » Ça vous situe le personnage. Mais Madame le maire n'est pas là, je crois. Ah, elle est là. J'avais sollicité qu'un petit tronçon de rue de votre municipalité, de notre commune, un jour porta le nom de Gérard Bizeau. J'avais, pour que ça ne gêne pas trop les adresses postales,
J'avais préconisé que ce soit le morceau de rue qui va de la barrière de la SNCF jusqu'à l'entrée de l'usine. À ma connaissance, il n'y a personne qui habite ni à droite ni à gauche. Si je profite de votre présence pour poser ma question, je ferme la parenthèse. Oui. Quant à monsieur... Oui, allez-y. Non, allez-y. Quant à monsieur Gérard Bizot, je l'ai bien connu, vous le savez bien d'ailleurs, et même quand il a... Parce qu'il a été malade et il n'était plus dans l'entreprise, il venait en vacances chez monsieur Hamelin à Colly et il ne manquait pas de venir me voir. Et il est venu me voir encore 4 mois avant son décès. Parce qu'il venait toujours me rendre visite. Tous les ans, il venait passer une après-midi avec moi. Et on discutait de beaucoup de choses. Bon. Et vous savez que même il m'écrivait, c'est très rappelé, je vous donnais le courrier à l'époque. Il ne m'en parlait pas et monsieur Lajoigny non plus. Non. Autrement dit, j'étais court-circuité par le président des recherches. Oui, bon. C'était comme ça. Je reviens au démarrage de la machine 4. Pendant 3 ans, cette machine, le jour de l'inauguration, le 14 avril 1963, je dirais que la feuille est arrivée au bout. On n'a pas enroulé, mais on a pu découper quelques décimètres de papier, peut-être, bon, qu'on s'est partagé, tout le monde a signé dessus, longue vie à la machine 4. Les difficultés ont commencé dès le lendemain. Elle ne voulait pas cracher du papier normal. J'abrège pour vous dire que ça a duré 3 ans. Vous allez tout comprendre, surtout si vous connaissez l'usine de Conda. La machine 4, elle a été construite sur des piliers d'à peu près 5 mètres de hauteur, tant et si bien que dessous, c'est un hall immense, où il n'y a que les piliers qui viennent du sol jusqu'au plancher où est construite la machine. Et pendant des mois et des semestres, la feuille de papier est en tellement mauvais état, invendable, qu'elle était déviée au lieu de l'enrouler en bobine. Nous la dérivions vers les sous-sols pour que... on puisse continuer à faire tourner la machine. Les sous-sols étaient grands, mais ils étaient vite pleins, car je vous signale que la feuille défilait à 600 mètres minute à peu près. Bon, alors, que fallait-il faire? Nous avions à l'usine un homme à tout faire qui s'appelait monsieur Urcastagnou, qui était l'âme damnée de Gérard Bizot d'ailleurs, et il a... parcouru la campagne, il a loué 3 presses agricoles. Pas des botteleuses, hein, des presses avec la tête de cheval, vous savez, pour fabriquer non pas des bottes de foin, mais des bottes de papier. Et pendant 2 ans au moins, le mauvais papier que notre machine fabriquait, il était vendu à vil prix à des concurrents qui rigolaient et qui faisaient leur beurre avec une matière première de luxe, mais qui leur coûtait pas cher du tout. Et vous allez me demander, mais comment se fait-il que la société ait survécu? Alors je vais vous donner la réponse. Elle faisait partie d'un groupe, et l'effet de groupe a eu ses effets, c'est le cas de le dire. Les pertes que nous créions à Conda, à cause de la consolidation comptable au niveau du groupe, venaient en diminution des bénéfices qui étaient faits ailleurs par le groupe. Tant et si bien que la seule victime de la chose a été le fisc. Vous savez que personne en France ne se plaint lorsque c'est le fisc qui est victime. Et... Je n'exagère pas en disant que Conda a survécu à cause de cette, moi j'appelle ça une anomalie comptable, mais enfin chacun voit les choses comme il veut,
La preuve, c'est que ça a marché pour les papeteries de Condat. Oui. Bon. Un mot pour mai 68, parce que j'ai vu la grève. Je peux vous raconter le... Oui, ah non. Vous me laissez encore une minute, allez-y, monsieur. Allez-y, on ne va pas se disputer. Hein. On ne va pas commencer à 95 ans. On ne va pas commencer maintenant à se disputer. Compte tenu de ce que je viens de vous raconter, le personnel de l'usine était très inquiet. J'ajoute une chose. C'est que le personnel était passé de 425 personnes en 63, correspondant à la production de cellulose et à la production de la machine 3, à 1000 en 68-69 à peu près. Vous voyez le nombre d'embauches que nous avons opérées, y compris d'ailleurs, je fais une parenthèse pour eux, une 25 archis que le sous-préfet de Sarlat nous a demandé de bien vouloir embaucher parce qu'il les avait exfiltrés d'Algérie, de la sous-préfecture d'Agbou, où il était précédemment sous-préfet. Et après l'indépendance algérienne, il les avait recueillis en France et il faisait partie des gens qui ont cherché une issue. Ils meurent, je les enterre les uns après les autres, mais il reste des enfants de ces harkis un peu partout, à Terrasson, à Montignac. Je profite de la chose. À Montignac, il y a une famille qui s'appelle... peu importe. Il n'y a que moi qui le connaisse. Il avait quatre enfants. Notre ouvrier... vous allez trouver son nom avant moi, peut-être. Il avait une jeune fille qui faisait des études. Avec les bourses d'études dont M. Lajoni vous a parlé, elle est devenue médecin à Bordeaux. Il avait un fils qui est devenu dentiste. Il en a un troisième qui a fait des études de journaliste. Il n'y avait que le quatrième, le dernier, qui a un peu branlé dans le manche. Vous donne une idée. Parce que bourse d'études, ça ne vous dit rien du tout. Je vous donne les effets des bourses d'études qui existaient aux papeteries de Condat. Je veux vous dire quand même, vous parlez du jour de grève, parce que compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, les syndicats, je crois pouvoir le dire, qui se sentaient responsables, en mai 68, ils étaient au courant, parce que personne ne leur avait caché ni les difficultés qui était venu de 63 ou 4 ou 5 jusqu'en 68, ils savaient très bien tout ce qui s'était passé, toutes les difficultés, et le hasard, ou pas le hasard, non, le service commercial avait découvert en Allemagne un marché chez un imprimeur allemand qui s'appelait, peu importe, pour écouler un papier qui portait un nom, qui s'appelait le papier Périgord blanc, mat ou satiné. Nous étions tous heureux à l'usine de savoir que enfin le service commercial avait décroché un marché. Et les premiers à être au courant, enfin les premiers non, mais les syndicats étaient au courant en même temps que nous, que moi en particulier, et que monsieur Delmont qui est là, il venait d'arriver, monsieur Delmont. Ah non, il n'était pas là. Il n'était pas là, c'est un genou. Comment dirais-je, la France entière, vous êtes trop jeune. La France entière était en grève. Tout était en grève. Moi, j'ai passé le mois de mai sans pouvoir téléphoner au siège,
sauf si la demoiselle des PTT, à Terrasson, acceptait d'enfoncer le jack pour me donner la communication. Vous êtes tous au courant, vous êtes trop jeune aussi pour avoir entendu le sketch du 22 à Anières. C'était exactement ça. Et j'ai passé un mois sans liaison avec le siège. Et pendant ce temps, vous étiez à Paris, mais pas souvent. Parce que les syndicats de Brive, des cheminots de Brive, voire Seulet en permanence, ils ont dû vous traiter de jaune, hein, si vous voulez mon avis, parce que vous ne faisiez pas grève. Oui, mais... Vous êtes mieux placé que moi pour nous raconter. Vous allez nous expliquer. En tout cas, un jour, un matin, j'ai vu entrer dans mon bureau, la porte s'est ouverte, d'un seul coup, d'un seul, et je vois une queue-leu-leu. En tête, il y avait François Vial. Ensuite, il y avait... Mais j'étais, moi. Et je sais, mais vous n'étiez pas en tête. Ah non, parce que j'avais pas voulu. Je vais vous raconter quelque chose. François Vial était le patron de la CGTFO. Je n'étais pas là, mais j'ai entendu parler du jour sinistre de la scission à la CGT lorsque la section FO de Conda a été créée. Et c'est François Vial qui était désigné comme le nouveau patron de l'FO. Et j'ai entendu parler d'insultes terribles. Je vais vous en citer une. Peut-être que ce n'est pas vrai, mais je vais vous dire ce que j'ai appris. La virulence était telle à la section CGT de Conda que... Mais c'est en 36, ça, hein? 38. Non, la scission, mon cher ami, c'est en 40, en 50, oui, parce qu'il y avait eu des grèves de 50 36, et des poussières. 30. Mais je sais pourquoi vous avez fait l'erreur. Les patrons de la CGT, le jour de la scission, ont traité François Vial de sinistre traître. Parce que en 38, voilà. Il y avait eu ici une grève sérieuse. En 36, il y en avait eu, mais c'est surtout la grève de 38 qui avait laissé des traces. Et François Vial s'est entendu dire ceci... espèce de quelque chose, rappelle-toi, en 38, tu nous envoyais un télégramme depuis Tenon en nous disant « Camarades de Conda, tenez bon, nous sommes avec vous, signez vos camarades de Pont-de-Clé ». Ça, les gens de la CGT l'avaient en travers. Et le jour où la scission a eu lieu, je ferme cette parenthèse, on n'est pas là pour venir parler des difficultés qu'a pu avoir le syndicat CGT des papeteries de Conda. Mais plus sérieusement, ce jour de grève, je vous le raconte quand même. Ils ont accepté, j'ai envie de dire, nous avons décidé, non, j'allais mentir. J'ai rien décidé du tout. Oui. Je continue ce que j'avais commencé. Arrive Monsieur Vial, Monsieur Delas, Monsieur Lajoigny, Monsieur Serre. Monsieur Serre, c'est vrai, oh là là, le pauvre Serre, je l'avais oublié. Et ils arrivent, et c'est là que je voulais en venir. François Vial, dont je connaissais les difficultés qu'il avait eues, j'étais très surpris de le voir en tête. Il n'a pas demandé la parole à ses camarades, il m'a dit simplement « Monsieur, aujourd'hui, c'est nous qui commandons. » Ah, bon, et nous avons décidé de faire grève. Et j'abrège, hein, pour vous dire, écoutez, je vais vous passer l'usine en main, mais vous me la rendrez ce soir. Et ils disent « D'accord, et attention, il faut que la machine à papier continue à fabriquer du papier. » Ils ont dit d'accord. Parce que tout le reste, alors, s'est mis en grève.
Nous avions une centaine d'ouvrières trieuses. Je vais vous le raconter, ça, parce que psychologiquement, c'est un souvenir qui m'est cher. Ces dames sont toutes venues à l'entrée de l'usine. Je ne sais pas sur quoi elles sont assises. Certaines avaient de quoi tricoter. Elles avaient quitté leur poste de travail et elles ont passé la journée derrière le calicot où il y avait marqué « usine en grève ». Nous avions à l'époque une grue gigantesque russe pour débarder les bois au parc à bois. Elle faisait 30 mètres de hauteur à peu près, la flèche de cette grue. Vous aviez oublié de demander au grutier de bien vouloir faire grève. Et je vous ai dit, peut-être pas à vous, vous feriez bien de demander au grutier d'arrêter parce que personne ne va nous croire en lisant que l'usine est en grève. Plus sérieusement que ça, j'ai un souvenir précis de ce jour de grève. Il y avait dans la maison les souvenirs de grève sévère en 36 et en 38, où je ne sais pas très bien ce qui s'était passé en 38, mais qui avait laissé de très mauvais souvenirs. Je me souviens qu'à l'entretien, il y avait un mécanicien qui était le père de Brazon. Il a eu une attaque cardiaque. Nous ne l'avons jamais revu à l'usine. Le choc émotionnel de ce jour de grève avait pas tué, je pense que... C'était pas Brazon, c'était Duclos. Ah, peut-être. Il habitait à Saint-Rabier. Voilà, Duclos. Bon, je croyais que c'était le père de Brazon. Et... C'était mécanicien. J'ai pas oublié ce jour de grève de 68. Et si vous voulez tout savoir, en mai 68, l'usine a battu son record de production mensuelle. J'arrête sinon. Je veux quand même dire une chose. À cause des quatre équipes dont je vous avais parlé tout à l'heure, nous avions recruté, entre guillemets, une quarantaine ou cinquantaine d'étudiants bordelais en général pour venir remplacer des ouvriers pendant que l'usine continuait à tourner pendant les vacances. Je leur ai fait une harangue lorsqu'ils sont arrivés. Jeunes gens, nous savons tous ce qui s'est passé en France. Je vous signale qu'ici, vous êtes dans une usine où des syndicats qui sont aussi responsables que vous n'ont pas fait grève parce qu'ils avaient de bonnes raisons de faire grève. Alors, prière de ne pas venir nous mettre le bordel. Ça s'est très, très bien passé. Tellement bien qu'on a recommencé les années suivantes. Il n'y a jamais eu de problème avec cette main-d'œuvre de passage. Allez, j'arrête. Continuez. Ça y est. Continuez. Bon, alors, moi je vais revenir sur le démarrage de la machine 4. Ah, ça m'intéresse. Voilà, le démarrage de la machine 4, c'est vrai que le démarrage s'est fait le jour de Pâques. Et comme vous disiez tout à l'heure, avec juste raison, on faisait plus de cassés que de papier vendable. Et la machine 4 ayant démarré à Pâques, la fin de l'année est arrivée et tout le personnel attendait la prime de fin d'année. Et M. Estoup nous a dit, mais cette année, vous savez, la prime de fin d'année, ça, vous ne l'aurez certainement pas, ou alors, je ne sais pas comment faire. Bon, sur ça, toutes les fins d'année, on avait une réunion à Paris. On était encore Progil. Hein. On avait une réunion à Paris au siège. Moi, j'étais toujours secrétaire du comité central d'entreprise. Du groupe Progil. Alors, j'ai dit à M. Brulfer, notre président directeur général, je lui ai expliqué qu'on n'aurait pas de prime de fin d'année. Et il m'a dit, mais pourquoi? Alors, je lui ai expliqué, je lui ai dit, on ne fait que des cassés. En faisant les cassés, le personnel travaille beaucoup plus parce qu'il est obligé de récupérer les cassés, de les transporter et de les stocker
et quand la machine tourne, si la machine tournait normalement, il n'aurait qu'un travail de surveillance. Alors, M. Brulfer m'a dit, mais combien il y a de tonnes de papier de cassé? Ben, j'ai dit, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il y a des centaines de tonnes de papier cassé. Et alors, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez le savoir, c'est M. Castagnou qui s'occupe, c'est ça, M. Castagnou qui s'occupe des cassés. Alors, il y avait son avocat conseil à côté de lui, il a dit, bon, mais téléphonez à M. Castagnou et qu'on sache combien il y a de tonnes de cassés. Et alors, quand on a eu le résultat des tonnes de cassés qu'il y avait, il a dit, bon, mais maintenant, vous n'avez qu'à vendre les cassés. Et les cassés ont été vendus, et on a eu notre prime de fin d'année, mais elle a été payée qu'en février. Voilà, vous vous en souvenez plus de ça, c'est... Non, 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 mais c'est vous qui aviez apporté le morceau. Je n'y étais pour rien. Et oui, et voilà, alors ça s'est passé comme ça, et... Je vais revenir aussi sur peut-être les événements de mai 68. Je n'ai pas tout à fait la même version que vous. Allez-y, allez-y. Ah. Pas tout à fait. C'est l'intérêt de la chose. Alors, en mai 68, on avait une réunion quelques jours avant les événements de mai. Et nous étions en réunion à Paris. Et nous étions cinq. Il y avait M. Laporte dit Billou, que tout le monde connaît ici, c'était la figure de la région. À la Chaudière. Il y avait Claude Delas. Oui. Maurice Serre. Oui. Madame Nardou. Oui. Madame Nardou. Et moi-même, on était cinq. Et finalement, on avait négocié à Paris, on avait déposé nos revendications, on avait eu satisfaction. Pratiquement. De ce qu'on avait demandé. Et nous étions contents. Mais malheureusement, au moment où on a voulu prendre le train, il n'y avait plus de train. Il n'y avait plus de train, il n'y avait plus rien. Et on est resté bloqué 3 jours à Paris. Et à Condat, ça n'allait pas trop bien. Tout le monde était affolé parce que il y avait la Pommellerie qui était descendue pour que Condat était toujours. Tournait toujours, ça marchait toujours. La Pommellerie était descendue et faisait pression. Il y avait des cheminots aussi, de Brive, qui étaient descendus. Et nous, on ne le savait pas. Mais M. Estou le savait bien, évidemment, vu qu'il vous en a parlé tout à l'heure. Et alors, M. Deranché, il n'y avait plus de délégués. Et M. Estou ne pouvait pas dire, ni même M. Deranché à l'époque, dire au personnel, allez, faites grève, ce n'était pas leur travail, c'était le nôtre. Hein. Alors, M. Deranché m'a téléphoné à Paris, en nous disant, ben écoutez, il faut que vous rentriez le plus rapidement possible, on va vous envoyer une voiture. C'était le chauffeur de direction. Marius. Monsieur, Marius Dufour. Oui, monsieur Dufour. Marius Dufour, qui est venu nous chercher en faisant une provision dans son coffre d'essence pour pouvoir redescendre, évidemment, parce qu'il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus rien. Et il nous a ramenés. 3 jours après, à Condat. Et quand on est arrivé, j'ai dit à Maurice Serre et à Delas, venez avec moi, on va faire le tour de l'usine, on va voir un peu l'état d'esprit du personnel. Et on est passé dans tous les ateliers. Et tous les ateliers, tout le monde était d'accord pour débrayer. Le soir même, j'ai téléphoné à M. Estoupe, chez lui. J'entendais d'ailleurs qu'il y avait du bruit parce qu'il devait se concerter avec les cadres. Et M. Estoupe devait faire comme nous. Il ne savait pas trop où il allait être. Nous non plus d'ailleurs. Parce que nous, à Paris, moi je connaissais un peu Paris, on était allé sur le boulevard Saint-Michel près de la Sorbonne et il y avait les CRS, les pavés. Voler en escadrille au-dessus de la tête des CRS. Et on ne savait pas nous ce qui allait se passer. On pensait même que c'était la Révolution. Et bon, alors, quand j'ai téléphoné à M. Estoupe, le lendemain, on s'est mis d'accord pour faire une réunion le lendemain matin. Et le lendemain matin, on a fait une réunion, les délégués et la direction, M. Estoupe. Et
On a dit, bon, mais maintenant, on a fait un tour de l'usine, il faut débrayer. Ah, c'est le jour de la grève, ça. Et c'est le jour de la grève. Oui, alors, et alors, on a dit, on débraye et tout. Alors, M. Stouff nous a dit, écoutez, voilà, vu qu'il ne pouvait rien faire, évidemment. Et nous, on était bien embêtés parce qu'on n'avait pas l'intention de faire la grève. Nous, on n'était pas, vu qu'on a vu toutes nos revendications satisfaites, on n'était pas, enfin, on a fait comme tout le monde, on a suivi le mouvement. Et M. Stouff nous a dit, écoutez, allez dans l'usine et puis faites attention au matériel, qu'il n'y ait pas de problème. Mais ça, on en était conscient. Et alors, on a dit, il faut constituer un comité de grève. Ah. On a dit, il faut constituer un comité de grève. Alors, le comité de grève, moi, j'étais secrétaire du comité d'entreprise. Les collègues ont dit, mais tu vas prendre la tête du comité de grève. Oh là là. Alors, ayant vu ce qui se passait à Paris, et étant quand même ancien à l'époque, et au courant de ce qui s'était passé en 1936-1938, où ça s'était terminé dramatiquement, les grèves aux papeteries, j'avoue que je me suis dégonflé. Hein. J'ai dit non, moi, j'accepte pas. De là, c'est non plus, serre non plus. Puis finalement, j'ai pensé qu'il y avait le responsable du syndicat Force ouvrière qui, à l'époque, ne représentait pratiquement que lui-même. Mais enfin, je savais qu'il avait fait grève en 1936-1938. Je suis allé le voir, j'avais de bonnes relations malgré tout avec lui. Je suis allé le voir, je lui ai dit, est-ce que tu veux prendre la direction du comité de grève? Il m'a dit, oui, pas de problème. Je sais pourquoi. Et oui, j'ai vu arriver François Vial en tête. Et alors, moi, j'avoue que c'est vrai, c'est pas glorieux, mais on était débarrassé. C'est pas glorieux. Bon. Mais enfin, maintenant, à mon âge, je peux le dire. Bon. Alors, ce qui est dit est dit. Voilà. Alors voilà qu'on a fait quand même, contrairement, alors là où je ne suis pas d'accord avec M. Stouff, c'est qu'on a fait 3 jours de grève. Parce que nous, on l'a vécu de A jusqu'à Z, malgré qu'on n'était pas des. Je vais pas vous contredire, vous avez certainement raison. Oui, oui, oui. Mais moi, j'ai surtout le souvenir que le soir. Et je pense qu'il y a ici, il y en a quelques-unes. Ils sont trop jeunes. Qui étaient peut-être le soir, nous avons fait tous ensemble de nouveau le tour de l'usine. Peut-être, oui. Et non, vous m'avez rendu l'usine le soir. Oui, mais c'est 3 jours après, monsieur. Mais vous avez dû continuer à faire du papier 3 jours après, ça ne me dérangeait oui, pas. Non, parce que vous savez que dans le bouquin qu'il y a eu, il y a tout un tas de trucs qui sont faux. Il faut se méfier des bouquins. Et ceux qui ont témoigné la plupart du temps étaient dans leur fauteuil à la maison. Ils n'étaient pas sur le tas. Nous, malgré que ce ne soit pas glorieux, on était 24 heures sur 24 avec le personnel. Allez, je vais deux petites choses concrètes au sujet de la grève de 68, et puis on va arrêter. Hein. On ne va pas se disputer. Ça ne se discute pas du tout. Je vais vous parler d'une réunion qui a eu lieu quelques jours plus tard. Gérard Bizot, dont nous avons parlé tout à l'heure, est venu de Paris avec son chauffeur et sa Mercedes. Devinez pourquoi. Il apportait la paye du mois de mai de toute l'usine. Je me souviens qu'à l'arrivée, on a mis la paye chez moi, sous la surveillance de ma femme, parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Et j'ajoute qu'on n'en avait pas besoin, car on avait de très bonnes relations avec les banques locales, et on avait de quoi assurer la paye. Mais on n'allait pas dire à M. Gérard Bizot qu'il avait fait un voyage pour rien. Et on est passé au lendemain à une réunion qui a été impromptue, et c'est lui qui l'a demandé, au bungalow. Le bungalow, c'est une maison qui avait été construite en même temps que la machine 4, qui servait de pied-à-terre à M. Bizot, et pour nous, de salle de réunion indépendante de l'usine.
Et il a fait une réunion là. Vous y étiez, monsieur Lajoigny. Oui, oui. Il y avait tout le monde. Et les accords de Grenelle venaient d'être signés à Paris. Manque de chance, les accords de Grenelle ne rapportaient pas un seul copec au personnel des papeteries de Conda. La situation de l'entreprise, à l'époque, était de telle sorte que les accords de Grenelle n'avaient aucun effet parce que la situation sociale et salariale de la société était supérieure à ce qu'avaient obtenu les syndicats nationaux à Grenelle. Et Monsieur Bizot, je revois la mémoire, elle est surtout visuelle. Je revois la séance dans le bungalow. J'étais à côté de Monsieur Bizot et François Vial était en face. Et il revenait de Paris, fin de grève en quelque sorte, et il n'avait rien à proposer. Ça, vous n'êtes pas au courant, mais je ne me souviens plus. Il comprenait très, très vite. Hein. J'ai dû simplement lui dire, on était côte à côte, amnistier 38, pardon. Oui. Il a compris tout de suite. Il faut savoir que la grève de 38 avait laissé des traces. En particulier, ils n'étaient pas très nombreux, mais il y en avait bien eu quelques dizaines de grévistes de 38 qui étaient toujours à l'usine et à qui on avait supprimé l'ancienneté antérieure à 1938 lorsqu'on avait bien voulu les réembaucher après la guerre. François Vial faisait partie de cela. Et lorsque Gérard Bizot a dit « on va amnistier la grève de 38 », j'ai vu François Vial avec des larmes dans les yeux. Oui. Et c'était la seule chose qu'il avait à offrir, mais c'était rien du tout. Mais bon, ça vous donne une... J'arrête là parce que je pense que ça vous suffit à comprendre quelles étaient les relations dans cette société à ce moment-là. Bon. À vous, monsieur Lajoigny. Oui, mais on pourrait parler encore de beaucoup de choses, oui. Mais je ne sais pas s'il nous reste beaucoup de temps. Oui, s'agissant des emplois hommes-femmes, quand même, nous avions, je vous l'ai dit, une centaine de trieuses. Mais j'ajoute tout de suite, plutôt, avant d'ajouter ça, je vais vous parler d'autre chose. Nous étions des incompétents dans tous les domaines, mais on avait des idées. Et je ne sais plus qui a eu l'idée, est-ce que c'est moi, je n'en sais rien. Nous avons organisé entre nous une étude de poste. Oui. Je ne sais plus quelle commission nous avons formée. C'était l'accord des syndicats. Ah, bien sûr. Oui. C'était du syndicat. Si je voulais ratisser gros, je dirais j'ai chargé les syndicats d'étudier tous les postes de l'usine. Et ils les ont tous passés en revue. Je ne sais plus, c'est dommage qu'on ait perdu les archives de la société, hein, parce qu'il doit y avoir des archives de ce travail qui a été gigantesque, qui a duré un moment. Je peux en parler, vu que j'étais désigné pour faire les études de poste. Mais bien sûr, vous étiez désigné, oui. et vous savez mieux comment ça s'est passé. Ça a duré 3 ans. Pas 3 ans, non. Ah, si, 3 ans ça a duré. Bon, bref, on a analysé tous les postes. Et chaque poste était affecté d'un coefficient, de telle sorte que les salaires, ils étaient automatiques. Et s'il y avait une femme dans le poste, elle était payée comme les hommes. Hein. On ne se posait pas de questions. Comment elle s'appelait, mademoiselle plutôt Vostachik à l'époque, Danielle. Qui était trieuse, on en a fait une conductrice de chariot élévateur. On lui a simplement acheté une ceinture pour le bassin, et elle a fait un excellent conducteur de chariot élévateur.
Elle avait le même salaire que les autres conducteurs de chariots élévateurs. Alors, lorsque ce matin, j'entendais parler de rémunération, madame, je... Ce matin, j'entendais parler de rémunération, j'ai pas eu le temps de poser une question. De quoi s'agit-il lorsque vous parlez d'égalité hommes et femmes? Est-ce que c'est du salaire horaire ou est-ce que c'est de la rémunération qu'une femme récolte, tout compris, y compris ses absences de maternité et autres, pas pour faire la comparaison avec la rémunération ou la condition du masculin qui est à côté d'elle? Moi, je parlais de salaire et à compétence égale, à poste égal, le salaire est identique, sauf qu'en fin d'année, la prime de fin d'année d'un cadre, elle est parfois supérieure quand c'est un homme. Voilà. De quelle prime s'agit-il? C'est une prime de fin d'année qui est donnée à chaque cadre dans l'administration. Bon. Je vous cite l'exemple de Madame Vostachy, qu'elle avait le même salaire que l'homme d'à côté. Hein. Maintenant, je vais vous parler d'une anomalie de l'époque. Les trieuses étaient payées au rendement. Alors, ça n'en parle plus beaucoup en France, mais heureusement que ça a disparu. Parce que c'est une vacherie, c'était une injustice. Même si ça étonne d'aucuns, c'est une injustice parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Et l'exemple des trieuses de Papa Tricanda, si j'étais professeur de quelque part, dans une école formant des RH en particulier, je leur citerais cet exemple. Pour trier du papier, il fallait prendre à l'époque, feuille à feuille, des palettes entières de papier, les retourner à l'œil, regarder vite, etc. C'était un travail pénible d'abord. On l'a remplacé par un triage optique par la suite, et même mieux que ça, d'un comptage statistique où on prenait une épaisseur de papier et on décidait que toute la palette avait les mêmes caractéristiques. Je reviens au salaire, au rendement. Et telle trieuse qui était costaud et surtout astucieuse gagnait parfois le double de sa voisine d'à côté, qui n'avait pas les mêmes moyens, etc. Malheureusement, on n'y avait pas pensé avant, mais on n'a jamais eu à discuter la disparition de ce salaire. Oui, c'est vrai. Et il a disparu par la disparition de l'emploi lui-même. D'abord, le nombre de trieuses a diminué parce qu'on a acheté des systèmes optiques qui permettaient de surveiller les feuilles. Ensuite, je vous l'ai dit, le système statistique. Je vais vous dire que moi, j'ai découvert qu'il y avait... Elles étaient deux ou trois trieuses qui avaient inventé depuis longtemps le triage statistique. Hein, parce qu'elles devaient trier une dizaine de centimètres d'épaisseur et mettre tout le reste à côté. Et elles étaient les championnes du salaire des trieuses. Je ne citerai pas de nom. Mais bon, voilà. Je vais vous parler un mot du secrétariat du comité d'entreprise. Le secrétaire du comité d'entreprise était Lucien Lajoigny. Il n'a pas eu à se crever beaucoup pour faire les comptes rendus. Parce que je tenais à ce qu'on raconte par écrit à peu près ce qui s'était dit pendant les réunions. Et alors, pour prévenir tout dérapage, je me chargeais moi-même du compte rendu de la réunion. Et vous n'avez jamais eu à contrecarrer ce que j'écrivais. Non. Parce que je n'ai jamais essayé de raconter des choses. Je ne voulais pas me faire virer. Bon. Qu'est-ce que vous venez de dire, là? Bon.
je vais vous citer une dernière anecdote, puis il faudra que j'en arrête, je crois. Ça ne m'empêchait pas d'avoir des manifestations. Je vous en citerai deux. Un jour, à ma grande stupéfaction, on m'annonce que la machine 4 va se mettre en grève. Que la machine 4. Hein. J'ai le souvenir, je suis monté à la machine 4, et effectivement, dans les petits bureaux qu'il y avait à côté de la machine, il y avait les conducteurs, les ouvriers de la machine 4 étaient là. Apparemment, ils n'avaient pas l'air contents. Et ils étaient prêts, ils voulaient se mettre en grève. Je ne sais pas ce que je leur ai dit. Bref, j'ai échappé à la grève. C'est la première fois et la seule fois. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. Non, ça m'intéresse. Mais ce jour-là, figurez-vous, moi j'étais au bureau des méthodes que vous aviez créé. Vous oui. Rappelez. J'étais au bureau des méthodes. Et ils sont venus me chercher. J'étais toujours secrétaire du comité d'entreprise. Ils sont venus me chercher en me disant qu'il y avait la grève, c'est-à-dire que les ouvriers de la machine 4 avaient débrayé. Bon, ils ont débrayé, on a été vous voir, et ils ont eu 5% d'augmentation à l'époque. Ah, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait grève. Voilà, alors attendez, ils ont eu 5% d'augmentation. Alors après, ils se sont tous réunis, ils sont venus, vu que moi j'étais au bureau des méthodes qui était au-dessus de l'atelier de mécanique. Si M. Patonnier était là, il pourrait le dire. Il était à côté de moi. Ils sont venus se réunir, se rassembler dans l'atelier de mécanique au-dessous le bureau d'études. Et ils voulaient continuer à faire grève. Alors, moi, il y avait le marbre, je suis monté sur le marbre. Parce qu'après, il y avait d'autres, le personnel des autres ateliers qui venaient, ça commençait à faire du monde et chacun voulait faire quelque chose. Alors, je suis monté sur le marbre, je leur ai dit, écoutez, vous avez eu 5%, je crois que c'est pas mal, et moi je vous conseille maintenant de rentrer et de redémarrer la machine 4. Et c'est ce qu'ils ont fait. Personne n'a rien dit, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est dommage que M. Patonnier ne soit pas là, il pourrait le certifier, il était à côté de moi. Et voilà, ça s'est passé exactement comme ça. Voilà pourquoi j'ai échappé à la grève. J'ai failli avoir une autre grève. Un jour, général celle-là, sujet des salaires. Quelqu'un, peut-être vous, M. Lajoni, me reprochait que les salaires n'avaient pas du tout évolué au cours de l'année. C'est possible. Alors, j'ai utilisé un moyen qui n'est pas passé inaperçu. J'ai fait placarder à l'entrée de l'usine, non pas les salaires de tout le personnel, mais l'évolution de chacun des 800 personnes au cours de l'année. S'il était là, Doudou et Mar, oui. Pourrait vous le raconter, parce que, parole alphabétique, il était le premier de la liste, à Y. Et le malheureux avait été promu agent de maîtrise au cours de l'année. Et son salaire avait doublé. Le tête de liste, ça commençait très bien, mais tout le monde a pu lire. En allant pointer à la pointeuse. Les pointeuses existaient encore, oui. Oui. Son salaire avec tous les autres, non pas le salaire, j'étais discret, mais l'augmentation, alors il n'y avait pas. Ils me faisaient confiance. Tout le monde savait que personne n'avait triché et que les pourcentages d'augmentation qui étaient affichés étaient les vrais. Le problème s'est résolu de cette manière. Je n'avais plus entendu parler d'augmentation de salaire revendiquée ce jour-là. Oui, oui, c'était... Je cite ça pour les DRH. ça peut être utile. Mais à notre époque, il n'y avait pas de DRH. Écoutez ça. Il n'y avait pas de DRH. Les DRH... Nous avons un DRH parmi nous, je sais. Pardon, monsieur,
fermez vos oreilles. Non, il n'y avait pas de DRH, c'était le chef du personnel qui faisait office de DRH. Et on avait des chefs du personnel qui étaient vraiment sympas. Moi, j'en ai connu trois sous votre gouvernance. C'était M. Corbando, il y avait M. Chevalier et M. Bernard. C'était vraiment des gens avec voilà. qui on pouvait discuter, qui étaient... C'était des gens comme nous. Alors, il y avait deux sauf qu'ils avaient un titre de chef du personnel et qu'on respectait, évidemment. Il y avait deux... Mais, alors, le premier... Attendez, oui. Les DRH, le premier DRH qui est arrivé, je crois, c'est au moment où il fallait faire... Mais moi, j'étais plus secrétaire du comité d'entreprise à l'époque. Le premier DRH qui est apparu, c'est au moment, je crois, où il fallait faire des licenciements. Parce que ça ne plaisait pas au chef du personnel, tout ça. Bon. Le chef du personnel, il n'était pas là pour ça. Et c'est là où ça a démarré. Hein ? Vous êtes d'accord avec moi ? Oui. C'était comme ça. Non, je ne vais pas dire que... C'est ce que j'ai constaté, c'est tout. Je ne vais pas dire que c'est une profession dangereuse. Mais je dirais que c'est dommage qu'il ait fallu créer cette profession-là. Vous voyez ce que je veux dire ? On aurait dû être dans des circonstances telles ou des conditions telles qu'on puisse se passer de cette fonction dans les entreprises. Je vais vous dire que, après ce que je vous ai raconté, en 1975, je suis monté au siège, comme on disait. J'avais fait mes 11 ans de directeur de l'usine et on a dû estimer que ça suffisait. On m'a fait une promotion. Et entre-temps, on était devenu une filiale de la cellulose du pain et du groupe Saint-Gobain qui s'était emparé des papeteries de Condat lors de la... Comment ça s'appelait en 69, lorsque Boussois a voulu s'emparer de Saint-Gobain, ça s'appelle une OPA, l'OPA de 69 qui est célèbre en France. Nous étions du groupe Progil, Ron Poulin, nous nous sommes retrouvés du jour au lendemain, on m'a téléphoné de Paris, réunissez demain matin le comité d'entreprise pour leur dire que le papeterie de Condat ne fait plus partie du groupe Progil, mais du groupe Ron Poulin, du groupe Saint-Gobain. Saint-Gobain. Bon. Et deux ans après, j'ai quitté j'ai eu une promotion. On m'a enlevé le commandement. Le commandement de l'usine. La direction de l'usine, pardon. Et je suis monté au siège et, figurez-vous, on m'a attribué la fonction de directeur des relations humaines, j'ignorais totalement ce sigle, de la branche papier-bois de Saint-Gobain. Il y avait 30 000 salariés. Il y avait toutes les usines qui fabriquaient du papier, des panneaux de particules, des panneaux de fibres, etc. Il y avait une trentaine d'usines. Il y avait toutes les sacheries, toutes les cartonneries, etc. Et je me suis retrouvé dans des réunions de la direction des relations humaines du groupe Saint-Gobain. J'étais comme le canard dans une couvée de poules, parce que j'étais... à leur corps défendant peut-être, je n'ai pas été bien accueilli, vous voyez ce que je veux dire. J'ai dû passer pour un... C'est peut-être pour ça que la fonction de DRH, je la ressens pas bien. Et je répète, il vaudrait mieux qu'on n'en ait pas besoin. Ce qui veut dire que tout ce que les DRH ont de bien à faire, il faudrait que ce soit assumé par la direction, directement. Voilà. J'arrête là. Monsieur Lajoni, est-ce que vous avez encore des choses ? Ah si, une dernière expérience quand même. Un jour, le service commercial trouvait que l'usine fabriquait du mauvais papier. Elle n'avait pas tort.
Mais elle avait trouvé le remède. Alors, ils m'ont envoyé, ils ont embauché à grands frais, j'ai jamais su comment, les frais, un cabinet pour venir mettre de l'ordre à l'usine de Condat. Je ne pouvais pas m'opposer. Encore que, du point de vue hiérarchique, c'était douteux. Le directeur commercial, il était de mon niveau. J'ai pas fait grise mine, mais j'aurais pu aussi bien le faire. Et ce cabinet est intervenu. Je vous dirai tout de suite qu'à 48 heures après, il a eu terminé. Parce que j'ai découvert, sans doute que ce sont les syndicats qui m'ont averti, que ces messieurs étaient en train de passer à confesse tout le personnel, les uns derrière les autres. Je ne sais pas ce qu'ils leur demandaient, j'étais pas là. Hein. Vous vous souvenez de ça? Oui, oui, oui. Et alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, stop, repartez à Paris, on n'a pas besoin de vous. Comme quoi, alors, je ne veux pas dire que c'est un DRH qui nous avait envoyé ça. Je ne sais pas qui... Je ne sais pas quel était ce cabinet génial. Par discrétion, je n'assistais pas aux entrevues, forcément. Je parle de d'aller à confesse. Et vous vous souvenez de ça, vous? Oui, oui, je m'en souviens. Ça n'a pas duré longtemps, voilà. Bon. Comme quoi, on va se faire engueuler parce qu'on dépasse la limite, non? Oui, oui, mais écoutez, moi j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je crois qu'on est... Enfin, je vais quand même vous dire quelles étaient mes relations exactes avec M. Estoup, quand même. Parce que quand M. Estoup... Ils l'ont deviné, laissez quand faire. Quand M. Estoup est arrivé, qu'on nous a dit qu'on allait avoir comme chef du... Il était arrivé comme chef du personnel, qu'on allait avoir un chef du personnel qui venait de... qui était un militaire, qui venait de l'armée, bon, avec les événements qu'il y avait eu, d'où il venait, là. Très mauvais endroit. Oui, ça nous rassurait pas. Et comme on avait tous fait notre service militaire à l'époque et qu'on n'avait pas un très bon souvenir souvent de l'armée, et on était sur le reculoir. Alors, bon, mais M. Estoup arrive comme chef du personnel. Et moi, j'étais un des premiers à être en contact avec lui, étant donné que j'étais secrétaire du comité d'entreprise et que les premières réunions qu'on a faites, il fallait rédiger le compte rendu des réunions. Et c'était le chef du personnel et moi-même qui étions désignés pour le... Enfin, désignés. C'était notre travail. Et comme vous a dit M. Estoup tout à l'heure, c'est lui qui avait pris la plume. Parce que quand il a pris la plume et que j'ai vu comment... Et il écrivait comment il rédigeait les comptes rendus. Oh là là, j'ai compris tout de suite que c'était une plume à côté de moi. Que j'ai quand même. Arrête, chien. Non, mais il faut dire la vérité, c'est vrai, par rapport à moi. Je vais vous donner la clé. Vous avez compris que j'étais incompétent dans tous les domaines, mais j'avais une chance. Je venais de passer 6 ans d'apprentissage en commandant des légionnaires étrangers. Ce n'est pas une troupe comme n'importe laquelle. J'avais appris un tas de choses. Et je n'ai pas eu besoin de m'en débarrasser dans un nouveau métier qui était celui que j'étais obligé d'entreprendre. J'arrête là. Bon. Oui, et alors, au fil de nos réunions, bon, mais tout s'est bien passé, et j'ai compris que M. Estoup, malgré tout, était une personne avec qui on pouvait discuter. Il était chef du personnel, il nous écoutait, et il nous comprenait. Alors, j'ai tout de suite vu qu'on pouvait avoir de bonnes relations. Et c'est ce qui s'est passé. Comme j'ai dit précédemment,
On n'était pas toujours d'accord, mais on ne s'est jamais disputé. Et on a toujours eu de bonnes relations, qui ont perduré d'ailleurs. Voilà. Même quand il est passé directeur, à ce moment-là, on est resté quelques jours quand même où on attendait de voir s'il avait changé ou pas, mais, parce qu'il avait pris du galon, là. Hein. Alors, la réunion qu'on a eue, la première réunion qu'on a eue, il n'était plus chef du personnel, il était directeur, c'était lui le patron. Et à partir de là, on a vu qu'il avait pas changé, qu'il était toujours pareil. Je ne sais pas ce que je vous ai dit, mais je vais vous dire, nous sommes tous dans la merde. Et ça a duré 3 ans. Bon. Et oui. Et toutes les fois qu'il y avait des problèmes, parce qu'il était directeur, mais il avait des pouvoirs. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des choses. Même on a eu la prime des enfants du personnel pour les vacances. Pour les vacances, ce qui ont été décidés à Condat. Ça a été décidé à Condat. L'ouverture de la cantine, ça a été décidé à Condat. Il y a beaucoup de choses qui étaient décidées à Condat. C'est-à-dire qu'on avait un patron. Et pour la prime de vacances, ça avait été décidé, mais il y avait une anomalie. C'est-à-dire que pour toucher la prime de vacances des enfants, il fallait évidemment partir en vacances avec ses enfants et aller dans les mairies dans lesquelles on résidait et revenir avec un certificat comme quoi on avait bien passé les vacances à tel endroit. Et à l'époque, c'était l'assistante sociale, mademoiselle Ketla, quand on lui remettait le récépissé de la mairie, qui ouvrait son tiroir et qui donnait l'argent l'argent. Et finalement, au bout d'un an ou deux, je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de personnel qui touchait cette prime. Il n'y avait que quelques cadres et quelques agents de maîtrise, mais les ouvriers, ils ne partaient pas en vacances. Alors, en réunion de fin d'année, c'était encore vous qui aviez instauré la prime, mais il y avait M. Brulfer, et à l'époque, à M. Brulfer, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais la majorité du personnel ne bénéficie pas de cette prime, c'est quand même pas normal, parce qu'ils méritent aussi bien que les autres, ils ont des enfants, comme les cadres et les agents de maîtrise. Et M. Brulfer, une fois de plus, a demandé à son avocat conseil, qui était à sa droite, combien ça coûterait pour donner cette prime au personnel. Alors, Monsieur Marat, il a dit, ça ferait à peu près tant. Monsieur Brulfer m'a dit, vous direz à Monsieur Estoupe que la prime sera payée pour tout le personnel, et tout le personnel a touché la prime à partir de là. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ça. Non, c'était comme mais ça. Je ça crois qu'il est temps de conclure. Ma conclusion sera très simple. Ce que nous venons de vous raconter, malheureusement, n'est plus transposable de nos jours. Non. Je n'en dis pas plus.